Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, comme par exemple le jeu Street Fighter 6 qui est à seulement 39,32€. Et il en va de même pour les cartes PSN. La carte 50€ est à seulement 43,89€. Et si vous voulez encore plus de promotions, eh bien la carte 100€ est à seulement 86,99€, quasiment 13€ de remise. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah! Yo tout le monde, ça fait bien qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Evolution Z en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu? Ça va très bien. Coucou, coucou tout le monde. Toujours le coucou tout le monde. Souvenez-vous, il y a de ça un an, on avait réalisé une vidéo où on visionnait tous les élèves du jeu DB Legends. Et bien un an après, on va les visionner tous les nouveaux élèves de cette année 2023 et également certains élèves de l'année 2022. Et je vais devoir choisir mon animation élève préférée et Ludivine également. Oui, c'est voilà. Ça. Mais en plus, il y a eu de très très beaux élèves. Ça va être dur de les départager quand même. Franchement, ça va être dur de les départager. Et je tiens à préciser dans cette vidéo, je remercie le frérot Sheertrim qui m'a fait ce condensé de élèves. Vraiment, merci à toi, mon frérot. T'as vraiment bien géré. Et vous pourrez retrouver son compte Twitter dans la description de cette vidéo. Allez les amis, comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Green Kidama. On est parti, t'es prête? Je suis prête. Eh ben, let's go. Allez, c'est parti. On va commencer avec le C17LF. Let's go. Allez. Face à Jiren. Ouais. Faut préciser, je l'ai pas. Ça, j'aime bien. Ouais, toi, tu l'as pas. Mais on s'en fout que tu l'aies pas. Là, ce que je suis en train de voir, c'est que... on a quand même... ouais, incroyable. Non, franchement, il est pas mal. Hein. C'est fidèle à l'anime. C'est fidèle à ce qu'on avait vu dans l'anime. C'est ça qui est intéressant. Et j'aime beaucoup le regard, quand ça fait le zoom sur son regard. Couleur. Ouais. Qu'est-ce qui était brutal celui-là aussi. Oh là là. Ouf. On ressent l'impact des coups. Oh là là. Oh là. J'avoue, c'est stylé ça. J'avoue, franchement, incroyable. Oh là 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 là. Pas légendaire. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Comme dans l'animé, oh là là la là. La pose. Incroyable. J'aime bien les poses moi. Oh, Gamatou que je n'ai pas. Ouais. Hein? Moi non plus. Non, celui-là, cet élève, c'est vrai qu'il était très beau. C'est vrai que... je suis pas fan de ces personnages-là, mais faut l'avouer que c'est beau. C'est vrai que c'est bien réalisé aussi. Hein. Franchement. C'est... de toute façon, c'est le point fort de DB Legends. Ça ressemble énormément à ce qu'on voit dans le film Dragon Ball Super Super Hero. Hein. Oh là 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 là. Oh, j'aime beaucoup aussi. Oh là là là. Il est très très beau celui-là. Ouais, franchement. Oh là là. En plus, oui, c'est vrai qu'il va avoir du coup. Franchement, les gars, celui-là. Ah, ouais. Oh là 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 là. C'est vrai qu'il est vraiment beau celui-là. C'est vrai que celui-là. Ah, le tag. Bah, le tag. Analysons. On analyse. C'est un film, quoi, les gars. Ok. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, eh, franchement, c'est incroyable. Oh là là, SSJ, forme de base. Ils vont monter en l'air. Là, là j'aime bien. Avec la... oh là là, là franchement, masterclass. Pour moi, je pense que c'est celui-là mon préféré. Il est beau, c'est vrai qu'il est très très beau celui-là. Non, il est incroyable. Il y a le gamma, moi il y a celui-là qui non, est beau. Non, celui-là quand même il est au-dessus. Il est beau. Non, parce que... j'hésite. Non, franchement, celui-là, j'ai l'impression de voir l'animé. Oui, vraiment, vrai. C'est vraiment l'animé, quoi. C'est... et là, okay, regarde, même le freezer. Oh là 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 là. Tu vois. Regarde, en fait, tu les vois comment ils ricochent sur, sur les rochers, tu vois. Là, ils foncent. Freezer qui parle. Beaucoup... temps de réaction, non, tu vois. Regarde, tout ça et tout. Là, j'aime bien justement. Voilà, hop, il le pousse. Il l'envoie. Et là, le Goku. C'est ce Goku-là, incroyable. SCJ, forme de base, SCJ, en mode. Il a plus de force, mais voilà. Ouais, mais moi, c'est ce balance. Passage que j'aime bien, là. Ça y crée, ensemble. Franchement, ce passage. Incroyable. J'avoue, il est beau. Et puis, les cheveux qui bougent, tout ça. Et les deux, la pose. Oh. La pose, elle est masterclass, la pose. La pose, masterclass. Non, pour moi, je pense que ça va être celui-là. Je sais pas, on va voir, mais. Non. Oh! J'avoue, il est... ok, le sel. Le nouveau sel, là, justement. Je trouve qu'il est très court, normalement. Il est très, très court. Pour les gens de la région. Ok. Ouais. Voilà, tu vois, il est très court. Franchement, les gars, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Ce qui est intéressant, c'est quand il explose. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Dommage, il a pas mis le frérot, mais ce qui est intéressant, c'est quand il explose, ouais. Tu vois. C'est plus intéressant, mais c'est vrai que le Kamehameha, non. Par contre, le tag, c'était intéressant aussi. Là, je l'aime bien beaucoup. Là, je l'ai pas. Big Kamehameha. Oh là 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 là. Tu vois, j'aime beaucoup le zoom, plan de caméra, pleine face. L'adversaire, voilà, qui se fait désintégrer, c'est beaucoup plus intéressant que le sel. Tu vois, le sel, c'était Kamehameha, voilà. Là, il y a beaucoup plus de tâches. Je trouve ça quand même simplé. Comparé oui. à certains, c'est simple. Ah, comparé au tag Goku Freezer, voilà. Les gamas, c'est simple. Oh, Orange Piccolo. J'aime bien aussi l'Orange Piccolo. J'aime beaucoup, moi. Ok, le long bras. Ok. Pah eh, il dure. Hein. C'est vrai que c'est... Oh là 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 là. C'est Masterclass. Et le Makako Sampo, il traverse l'adversaire. Tu vois, il rentre dans le ventre, il ressort par le dos. Vraiment intéressant, tu vois. Ah. Oh, Gohan Beast aussi. Ouais, Gohan Beast aussi. Ça, ça crée... Ah, j'avais oublié celui-là. Oh. Oh, le zoom. Le zoom encore. Bah les éclairs et tout. Oh là 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 là. J'avoue, celui-là aussi. Franchement, moi, je crois que c'est un de mes préférés. Oh là là là. Je crois que c'est mon préféré. Franchement, il est magnifique, celui-là. Ah, j'avoue, les gars. Ah, eh, ça aussi, hein, le tag Trunks et Vegeta. Père et fils. Oh là 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 là. Bim, bim, bim. Il l'enchaîne. Canon Garip. Et là, il arrive. Canon Garip du daron. Père et fils. Franchement, c'est pas mal. Après, il manque peut-être un petit truc, tu vois. Un petit zoom quand il lance le canon Garib sur l'adversaire ou quoi. J'aime bien le petit regard qu'ils se sont donnés tous les deux, justement, le père et le fils. Ouais, c'est vrai. Mais il manque un petit truc, je sais pas. Dites-moi vous aussi dans l'espace commentaire. Il manque pas un petit truc quand il lance le canon Garib, tu vois, il le lance. Mais je trouve que ça éclate trop vite l'adversaire. Voilà, il arrive, Vegeta. Il lance. Et là, maintenant, on va voir, hop, bim, Legendary Finish tout de suite. Ça aurait été bien un prolongement du canon Garik avec un zoom sur la tête de l'adversaire en mode il est en train de se faire désintégrer. Ça aurait été intéressant. Oh là là. Non. Moi j'aimais beaucoup, beaucoup en critiquer le tag GT. Mais moi j'aimais bien, tu vois. Pas, pas, pas. Regarde l'enchaînement. Pas, 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 pas. Pas, pas. Oh là là. Kamehameha. Final Flash. Oh là là. Bim. Pas entre les deux. Boum. Incroyable aussi. Ouais. Franchement, moi je kiffe. Et là, la posture. Ouais, il est bien aussi. Les postures, il est bien. Hey, ils ont trop de flow, les CJ4. Je suis désolé, les CJ4, c'est incroyable. Ils ont trop de flow, les CJ4. On veut pas la team Poly. Moi, je veux la team Poly. Les gens de festival, dans 3 mois, je veux Gogeta 4 Ultra. Cherche pas à comprendre. Toshi, t'as intérêt. Toshi, t'as intérêt. Non, okay. J'avoue, le LF est très bien. Ah, non, mais là, franchement. Chacun d'à côté. Oh non, 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 non. Eh, franchement, c'est masterclass. Quand même, on a eu des sacrés LF, hein. Entre fin 2022 et cette année 2023, là. C'est incroyable, quand même. Hein. Le Mugato. C'est vrai que celui-là, c'était le Mugato Revive, hein. Type vert, et c'est Blue, voilà. C'est quand même pas... Mais c'est court. C'est court, voilà. Je m'en souvenais plus, franchement, de celui-là. Il est bien réalisé, mais il est court. Tu vois, c'est pas un épisode comme les autres, tu vois. Oh, je m'en souviens plus aussi de celui-là. Le Trunks type vert. Oh là là. Super bien réalisé. Super bien réalisé. Oh là là. Oh là. Masterclass. Masterclass. Dommage, il y a la censure. Franchement, c'est dommage, la censure. Eh, incroyable aussi. Super propre. Super propre. Franchement, super propre. Ok, on revient aussi. Alors, là, ce qu'on va faire. Moi, franchement, ça se tape entre Gohan Beast et le tag Goku Freezer. Moi, j'aime bien les Gamma avec le tag Goku Freezer aussi, ouais. Et le Beast. Mais le... Franchement, après, moi, quand même, je préfère quand même le Beast. Moi, je dis la vérité avec le... Bah, écoute, on remet le tag. Vas-y. Je regarde le tag. On analyse. Franchement, les amis, regardez le Kamehameha. Il disparaît, il arrive. Là, les rochers. L'effet de vitesse. Boum. Ensemble, l'impact. J'aime bien le temps de réaction de Goku. En mode, waouh, Freezer me demande en gros de l'aide. Et là, hop, il est... Comme on a eu en fait dans l'animé DBS. Hein. Côté CJ, forme de base. L'effet de vitesse, les cailloux. On le monte en l'air. On sent l'explosion de colère. Non, pour moi il est incroyable. Moi, franchement, je vais rester sur le Gohan Beast.
Enfin, ouais, alors, franchement... on va aller voir ton Gohan Beast. Je trouve qu'il est, il est sublime, mec. On va aller voir. Franchement, moi, franchement, je pense que c'est. Je pense que c'est pour moi. Ouais. En plus, j'aime beaucoup le jouer, il est vraiment bien fait. Il est beau. Les impacts, quand même. Non, mais j'aime beaucoup en fait les zooms. Les zooms, la pose, ouais. L'œil et tout. Et là, c'est les plans de caméra qui sont vraiment très intéressants sur Gohan Beast. Ah non, franchement, moi, je reste sur le Gohan Beast. Regarde, il te regarde de haut, en fait. Gohan Beast, ouais. Non, moi, les amis, moi, c'est le tag Goku, Freezer, LF, Ludivine, Gohan Beast, LF. Ouais, Gohan Beast, moi, okay. J'aime beaucoup. Même la pose, là, il te regarde de haut et tout, j'aime bien. Moi, franchement, c'est le tag. Dites-nous, vous aussi, dans l'espace commentaire, quel est votre LF préféré. Et c'est vrai, j'aime beaucoup également le Gamma One, Gamma Two. Mais coup de cœur quand même pour le tag LF des 5 ans, Goku Freezer, incroyable. Et c'est vrai que Ludivine a la raison, le Gohan Beast, il a du flow. Makako Senpo ! Calme-toi quand même. Max et 2 pouces bleus les amis, n'hésitez pas à partager, abonne-toi également à mon compte YouTube. Et n'hésite pas à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et encore une fois, n'hésite pas à aller dans la description de cette vidéo. Il y a également le compte Instant Gaming, enfin le compte, le site Instant Gaming pour retrouver les jeux vidéo moins chers, à bas prix, tous en promotion. Donc n'hésite pas à en profiter. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Ciao tout le monde ! Hey les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Coming.